Donc j'ai saisi l'occasion pour remercier les autorités maltaises pour l'organisation de cette activité qui nous semble très importante et qui répond à beaucoup de préoccupations. Car d'une manière générale, on dit que le développement durable, c'est réfléchir global mais agir localement. Donc on doit réfléchir comme tout le monde, mais agir au niveau de la Méditerranée pour que la durabilité, comme vient de le dire mon collègue Malte, soit assurée. Le cadre politique et institutionnel par lequel est passée l'initiative WestMed est un processus long mais bien réfléchi. En 2015, l'Union pour la Méditerranée a engagé une réflexion sur la faisabilité des stratégies maritimes appropriées, stratégie pour l'Atlantique, stratégie pour la Méditerranée, etc. En 2021 encore, quatre années après la création de l'initiative WestMed comme accompagnement local des décisions de la déclaration ministérielle de l'Union pour la Méditerranée en 2015. Dans 2017, il y a eu la création de l'initiative. Donc, quatre années après, en 2021, l'Union pour la Méditerranée a confirmé son engagement en faveur de la gestion durable de la Méditerranée et des espaces atlantiques adjacents. Donc, ceci est concomitamment avec, bien sûr, cette décision de la conférence des ministres de l'Union pour la Méditerranée, donc a été encore corroborée par les efforts déployés pour la crise, pour sortir de la crise du Covid, lutter contre les changements climatiques et lutter surtout pour la dégradation de l'environnement. L'initiative WestMed, comme vous le savez, vise bien le développement de l'économie durable dans la Méditerranée occidentale et en relation avec la stratégie atlantique qui nous intéresse, nous, en Mauritanie, puisque nous sommes un pays de l'Atlantique. Elle constitue encore cette initiative en prolongement de la coopération dans le domaine du dialogue entre les pays de la Méditerranée, c'est-à-dire les pays 5+5, et elle doit promouvoir des synergies entre la Méditerranée et l'Atlantique, ce qui intéresse nos pays et qui intéresse encore le Portugal. Donc cette stratégie de l'Atlantique doit être annexée. L'initiative est passée déjà par deux moments très importants. La déclaration ministérielle WestMed de 2017, qui a élaboré les organes de mise en œuvre de l'initiative WestMed. Il y a le comité directeur, il y a la coprésidence, il y a le comité directeur, le comité de pilotage, les groupes techniques, les clusters maritimes. C'est un ensemble d'organes destinés à promouvoir et à assurer la mise en œuvre de cette initiative. Ensuite, il y a eu la conférence, la déclaration ministérielle de WestMed en 2018, qui s'est focalisée sur le plan d'action. Quelles sont nos priorités ? Et il a été dégagé 6 priorités qui portent essentiellement sur le transport maritime, la navigation écologique, l'aquaculture marine, le tourisme côtier, les énergies renouvelables, notamment l'éolien et l'hydrogène vert, développer les compétences bleues, donc développer des synergies entre les pays en termes d'échange d'expériences, de connaissances, et surtout donc d'événements spéciaux qu'on organise, et lutter contre la pollution maritime et développer des aires marines protégées aussi bien dans la zone côtière que dans la zone au large. Voilà un peu un aperçu sur le contexte politique et institutionnel de l'initiative WestMed. Pour ce qui est de la Mauritanie, en s'inscrivant dans cette perspective de l'économie bleue, possède certains atouts indéniables. Donc on a un patrimoine halieutique important au niveau de cette façade atlantique.
Dans ce patrimoine et dans cet espace maritime, nous avons encore une exploration intense des hydrocarbures offshore, de gaz notamment. Et dans cet espace également, nous avons des opportunités pour développer les énergies renouvelables comme l'éolien et l'hydrogène vert. En s'inscrivant dans cette politique, la Mauritanie veut faire de l'économie bleue un créneau qui vise surtout à maximiser et à optimiser l'aménagement du territoire dans le respect de la conservation des espaces et des ressources, dans le respect de la capacité des écosystèmes à produire les biens et services qu'ils assuraient et dans le respect des règles devant permettre d'atténuer l'impact des changements climatiques et de promouvoir des méthodes d'adaptation. Dans ce cadre, on a un cluster maritime qui se veut l'organe de concertation et de dialogue au niveau national et qui assure donc une multisectorialité pour pouvoir développer et convenir d'une stratégie nationale pour l'économie bleue. Cette stratégie nationale pour l'économie bleue doit être concertée et comme on vient de le voir au niveau de l'initiative WestMed, toute initiative de l'économie bleue doit être tout d'abord à l'échelle nationale multi-acteurs. Elle fait intervenir plusieurs secteurs, le secteur des pêches, le secteur des mines, le secteur du tourisme, le secteur de la conservation, de l'environnement, etc., etc. Donc, il doit y avoir une vision multi-acteurs, mais qui doit bénéficier encore d'un soutien des partenaires et des bailleurs de fonds. Et dans ce cadre, nous venons de signer avec l'Union européenne, la délégation de l'Union européenne à Nouakchott, un projet sur l'économie bleue qui va jeter les bases, tout d'abord pour cette concertation et dialogue afin d'élaborer cette stratégie, mais qui va encore initier des actions pilotes en matière d'aquaculture, en matière de tourisme côtier. Et dans le cadre de nos perspectives en matière d'énergie renouvelable, on compte beaucoup sur le développement d'une activité de pêche écologique, c'est-à-dire une pêche qui utilise moins d'énergie fossile, mais plus d'énergie liée à l'hydrogène vert et à l'éolien. C'est dans cette perspective que notre pays s'inscrit et pour laquelle on est présent au niveau de cette réunion à Malte pour essayer de donner une impulsion à cette initiative tant au niveau de l'espace méditerranéen et de l'espace atlantique adjacent, mais encore au niveau national en Mauritanie pour développer des initiatives visant à conceptualiser sur le terrain l'économie bleue durable. Je vous remercie.